Mire el espejo, qué lindo soy en el espejo. Salen unas fotos bien.
Il s'agit de carrières de calcaire, elles datent du 18e siècle. Nous avons une architecture très particulière ici. Vous avez concrètement l'exemple juste ici derrière vous. Ça, c'est du calcaire. Comme je vous le disais, ça va stocker la fraîcheur. C'est parfait pendant les canicules qu'on rencontre depuis quelques années. Depuis les années 20, donc depuis à peine 100 ans, nous avons décidé de les utiliser différemment. C'est là que nous avons notre chai à barrique et c'est là que nous stockons nos bouteilles. Il y fait 13 degrés toute l'année. Ce sont des conditions entièrement naturelles. Ce sont des conditions optimales, parfaites pour nos bébés. Donc depuis 1920, ce sont nos caves souterraines. Elles s'étalent sur plus de 25 km. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas les parcourir, ces 25 km. 25, on va même pas en faire un ensemble. On n'en utilise même pas la moitié. C'est pour vous donner une petite idée. De Cormeil, une famille de notables qui ont racheté le château de la Rivière. Et ils étaient ils avaient bien plus de moyens que les prédécesseurs. Et pour ce faire, ils ont décidé de remoderniser toute l'architecture du château. Ils ont employé un architecte très connu dans la région qui s'appelle Monsieur Dutoit, c'était l'élève d'un autre architecte très connu. J'imagine qu'on n'a plus besoin de le présenter, Monsieur Viollet-le-Duc, cité de Carcassonne, cathédrale de Notre-Dame à Paris. Comme hommage à son maître, il a décidé de construire 4 gargouilles que vous avez pile poil en face de nous, qui sont exactement les mêmes gargouilles à la cathédrale de Notre-Dame, identiques. Ils ont construit les arcades en face de nous, la petite tour ronde sur votre gauche. L'étage a été rehaussé. Ah oui, j'entends jamais. C'est normal. C'est bien ça. Bah oui, c'est et l'ancien. C'est de là. Après, c'est parce que ça leur apporte des arrangements spécifiques, c'est aussi en fonction de ce qu'ils veulent apporter dans leur vin. Combien de litres par barrique? 25. C'est moins. Ça, c'est en Bourgogne. Nous, à Bordeaux, c'est 225, exactement. 225, ça contient 300 bouteilles. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, notre clientèle principale était les Anglais et ils ont des mesures un peu différentes des nôtres. Donc, pour se mettre d'accord, 50 gallons, 225 litres, 300 bouteilles. C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Des petites questions? Oui. Dis-toi. Moi, j'ai pas compris l'histoire de chauffe. C'est chauffe. C'est bien pour perdre les invités, ça. Comment? C'est bien pour perdre les visiteurs. Mais oui, c'est ça. On éteint les lumières. Vous débarrasser de son mari. Voilà, par exemple. Oh, mais il s'arrangerait avec les bouteilles. Hein. Oui. Il va nouiller son chagrin. Années 40, le propriétaire de l'époque était toujours Monsieur Baluteau. Dans ses caves, ils y ont caché des résistants et des juifs aussi. Monsieur Baluteau, c'était aussi un collectionneur d'art. Donc, il avait plusieurs tableaux, plusieurs peintures qui lui tenaient beaucoup à cœur. Il les a cachés juste ici en face de nous. Vous voyez d'ailleurs, on a une petite croix nazie qui est présentée juste ici, qui a été effacée. Et ils ont rajouté la croix de Lorraine aussi, symbole des résistants. Donc il avait caché effectivement quelques tableaux, quelques petites choses qui lui tenaient à cœur, des trésors, des bouteilles aussi, qui voulait être sûr que les Allemands ne lui prendront pas. Et il avait construit
un petit mur ici, qu'on a retiré. Bien sûr, il faut vous imaginer une porte, un mur. Quand les Allemands sont passés devant, eh ben, ils n'ont rien vu, ils n'ont vu qu'un mur. Donc, ils ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient juste pousser la porte pour accéder à ces petits trésors. Je vous assure que si les murs pouvaient parler, ils en auraient des choses à raconter dans ces caves. Exactement ce qu'on a. On a réussi à récupérer deux bouteilles de 1928 qui sont stockées dans une toute petite pièce que je vous montrerai un petit peu plus tard. Alors, j'ai beaucoup de visiteurs comme vous qui viennent chaque année, chaque jour. Et ça, c'est une question qu'on me pose aussi régulièrement. Sarah, moi, j'y connais pas grand-chose en vin. Vous avez plus de 8000 châteaux dans la région. Vous avez beaucoup de cavistes. Et quand je veux acheter une bouteille, eh bien, on sait que choisir. Il y a tellement de choix. Je peux vous donner une petite astuce, en tout cas, qui ne s'applique uniquement à Bordeaux et uniquement pour les vins rouges. Toutes les années qui se terminent par 5 ou 0 sont toutes exceptionnelles. Par exemple, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Alors c'est vraiment une coïncidence. Alors, il y a un peu de raison marketing aussi derrière. C'est plutôt pas mal de se dire que tous les 5 ans, on fait quelque chose d'exceptionnel. Il y a bien sûr bien d'autres 82 années. 82 était excellent. C'est la grande année de Bordeaux. Ma te lo gieves, nena. Alors attention à la tête, il reste quelques petites marches et la tête aussi. De cette source naturelle d'eau dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui se jette directement dans le bain des dames. Elle se retrouve juste ici en face de nous. Ça conserve aussi, ça permet d'avoir un petit peu d'humidité dans cette salle. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Et elle est potable. Si vous vous posez... à la dégustation, à la vinification, à la vente du vin, donc ils étaient initiés. La fuente de la mujer. L'âge d'origine, la dégustation. Notre showroom, juste ici. Une autre salle construite par M. Danto. Alors, comparée à la précédente que nous avons été visitée en tout premier, celle-ci, elle est beaucoup plus intime, beaucoup plus petite. Elle était faite pour accueillir d'autres clients, plusieurs clients, et d'autres négociants en vin. Il a choisi de la construire ici, vu qu'on a un petit point d'eau juste à côté avec de l'eau potable. Ça leur permettait aussi de se rincer le palais entre deux dégustations et d'avoir un petit point d'eau à proximité. Comme je vous le disais, ces petites chaises qu'on a partout, c'était pour les enfants. Il n'était pas rare à l'époque que les propriétaires voulaient former, initier leurs garçons dès le plus jeune âge à la dégustation et tout ce qu'il y avait de bon à savoir. D'ailleurs, il n'était pas rare en France. Alors, mes grands-parents, ils ont connu ça dans les années 40. Ou dans les années 30, dans les années 40, on donnait un petit verre de vin rouge aux enfants pendant la pause déjeuner. Je ne sais pas si c'est le cas exactement en Belgique ou en Colombie ou à la Réunion. Mais en tout cas, en France, il n'était pas... En Angleterre, c'était la bière. Mais ici, en France, on donnait un petit verre de vin rouge avec beaucoup de sucre. Mais quand on n'avait pas toujours accès à l'eau courante, dans des coins isolés, à la campagne, au moins, il y avait un petit verre de vin rouge avec du sucre. Juste derrière moi, vous avez notre blason, c'est ce que vous allez retrouver sur certaines de nos étiquettes, mais surtout les bouchons de nos vins. Ce lion, il doit vous parler, c'est le lion léopardé qui symbolise l'alliance entre la France et l'Angleterre. À l'époque, Aliénor d'Aquitaine, reine de France, a épousé Henri Plantagenet, roi d'Angleterre. Elle a pris le statut de reine de France et reine d'Angleterre. Le lion, il a une queue qui est doublée
Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'ai fait la petite introduction sur notre propriété, on a deux rivières en une. Ah. On a la rivière de la Dordogne sur la gauche, la rivière de l'Isle sur la droite, qui se rejoignent à Libourne, à 20 minutes d'ici, nous sommes pile poil au milieu dans l'appellation de Fronsac. Donc c'est une petite carte de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Cette petite croix sur la gauche, un petit clin d'œil aux croisades, un petit hommage aux Templiers, c'est le symbole des Templiers. Et pour illustrer ce blason, nous avons quelques grappes de raisin et quelques feuilles de vigne. J'espère que ça vous a plu, cette petite visite. Parfait, vous étiez notre dernier, c'est ça? Je suppose. Je ne sais pas celui qui est derrière moi. On sait tout bon, vous êtes tout ça. Ah, on est passé de l'autre côté. D'accord. Faire la dégustation à l'intérieur ou en extérieur, comme vous voulez. Salimos por debajo del castillo y entramos por el parque de los coches de estacionamiento. Le decía unos 100 metros más o menos íbamos a hacer la degustación allá. Las gargollas, como se dicen, las mismas que para Nuestra Dama de París. El mismo. Lo hizo allá. Y la entrada donde fuimos. Allá es. Bonjour. Allá es donde entramos, a lo lejos, al nivel de las estatuas, cerca de los baños de las damas. La nena que se prepara a tomar. Voilà, mais et voilà. On est entre 35 et 50. Ouais, c'est voilà. Ah oui, t'as de l'eau. Celui-ci, il va se rapprocher un peu plus de la texture du chocolat au lait. Ils prennent en ampleur, en onctuosité avec le temps. 2014,
Même ça, sur, si vous êtes amateur de chocolat noir, hein, 2014 sur le chocolat noir, ça passe très bien aussi. Oui, le mélange est exceptionnel. Mais pour fermer, on pompe l'air. Oui, c'est pour le garder quand tu veux, pas le... Non, c'est pour prendre l'oxygène, c'est pour l'aérer. Donc tu mets ça dedans et ça lui fait prendre le... C'est un bouchon spécial qui se fait. Non. Je crois pas, c'est un bouchon et puis c'est en forme de poire et c'est ouvert sur l'eau. D'accord. Je veux dire, c'est un bouchon, on pompe pour enlever l'air. Ah, faut conserver plus longtemps quand tu vas. Bah, tu es tout seul que tu dois monter. Ah, oui. C'est, ça arrive, ça. Bien sûr. J'avais même un cadre. D'accord. Ça arrive, ça. Dis-moi. Est-ce que vous enlevez des bouchons, on enlève l'air? Oui, on a l'aérateur, j'ai aussi ces petites pompes, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on nous demande? J'ai oublié la question. Quand on va dans des câbles, tu vois, que la bouteille n'est pas finie, ils mettent un bouchon et... Exactement, c'est ce que j'ai, c'est juste là, c'est ce que vous avez là, ces petites pompes. Ce que j'ai entre les mains, regardez, je vais vous montrer. C'est vrai que c'est très pratique, c'est ce qu'on utilise souvent. Alors là, il me dit, mais tu finis toujours tes bouteilles. Ça, c'est... Et ça ressemble à tout. Voilà, c'est la même, c'est ce que j'utilise, exactement, je pompe l'air et ça m'a mis, en plus, ça, c'est une semaine, 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 une
Ouais, ouais, c'est plus intéressant que là où vous êtes. Ben là, vous avez les égouts là où vous êtes. Ah ben oui, là, là c'est les égouts là où vous êtes. Hein. Ah oui, je vous le dis. Je vous le chante. La nena que se va a lavar porque no se duchó desde hace una semana. El parque del castillo de la Rivière. Castillo de qué época? De la Renaissance. Renacimiento. Un bambú. Aquí crece también. Nena, hazme el favor de bañarte. Quiero verte desnuda en el agua. Beltrán, déjame. Déjame, déjame mucho. Esta noche, como si fuera la última. Déjame, déjame mucho. Ah, vous avez vu? Ah ouais, c'est mieux que les égouts, hein? Ah oui, c'est mieux. C'est très joli. Ça donne bien envie de se baigner quand il fait beau. On reviendra l'été? Ouais. Bon. Il y avait un peu de pente, alors ça fait souffler. Mmh. Vous vous rendez compte qu'on est allé de là-bas jusque là-bas? Super. C'est incroyable, hein? Ouais. Alors, ça vous a plu? Ah, ouais, ah c'était génial. C'est beau, hein. C'est extraordinaire. C'est étonnant de voir... Que ça soit vendu à des Chinois, ouais, ça c'est étonnant. Quel gâchis, un château de la Renaissance vendu à des Chinois. Ça se passerait pas comme ça au Danemark, hein. Là-bas, tout ce qui est du pays ne se vend pas aux étrangers. Chacun garde son patrimoine. Le blason de l'Angleterre. Et le passage obligatoire des caves souterraines. Il y a du travail pour aller creuser sous terre comme ça. Ah là, il y a un passage. Une aération. Défense d'entrée, je suppose. Qui entrepose-t-on ? C'est là le vrai parking.
Sí, te llamé, no viniste. Sí. Le llamé a todos y no quisieron venir. Yo les mostré. Por eso te dije, ven aquí, desnuda. Y no quisiste venir. Yo te ofrecí lo mejor, el lujo. Un baño con vino, con champán. Esta es la piscina. Te encanta. Báñate. ¿Contigo? Yo siempre comparto, ¿no? No soy así como algunos que son egoístas. De las mujeres, porque las mujeres no tenían derecho a las mismas cosas que los hombres. Y entonces se hicieron ese baño en los años recientes. Es más reciente que el castillo. Que el castillo era para que de la Renaissance. Vamos para allá. Château de la Renaissance. Comment? Château de la Renaissance. Oui, elle a dit après, quand ils ont rajouté l'aile à côté. Ouais.